If you are what you say you are, a superstar, then have no fear. The camera's here and the microphones, and they wanna know. Oh, 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 yeah. Depuis quelques années, le Burkina Faso connaît un renouveau musical sans précédent. Les artistes du pays des hommes intègres sont plus que jamais présents sur le continent. La musique burkinabé a sa place dans la musique internationale. La richesse de la musique burkinabé, c'est sa diversité. Pour ces artistes, puiser dans cette diversité de styles tels que le waraba, l'iwaga ou le wiré est la clé pour donner un nouveau souffle à leur musique. Mais comment arriver à prendre cette diversité-là pour l'introduire dans la musique moderne? C'est ce que nous sommes en train de rechercher. C'est juste faire une fusion avec les instruments et de chez nous. On peut bien faire une bonne fusion de musique internationale. Au Burkina, les artistes s'unissent pour proposer une musique capable de rivaliser avec leurs grands voisins de la Côte d'Ivoire ou du Mali, afin de redonner à leur pays toute sa place sur la planète musique. À partir de maintenant, ça commence à monter. Flobi, Desaltino, Bebeto Bongo, Wendy, Imilo le Chanceux et bien d'autres, les étalons de la musique burkinabé sont sur le point de prendre d'assaut la musique africaine. Trans-Africa, we love Burkina music. Wendy à Wendy. Ouaga, octobre 2016. L'artiste Desaltino s'apprête à fêter son anniversaire. En 10 ans, Désiré Ouédraogo, le petit gars de Yatenga, est devenu le prince national. Pendant 3 jours, sur la scène de l'espace Mairie Bogodo, les artistes de tout le pays vont se succéder pour fêter le parcours exceptionnel de l'un des ambassadeurs les plus prolifiques et respectés du Burkina. Je pense qu'il y a une nette évolution à partir du moment qu'aujourd'hui Desaltino, au-delà du Burkina Faso, est adulé partout en Afrique. Il y a des appels partout pour des concerts et d'autres choses. Donc déjà, c'est une bonne chose. Et je lance même un défi à la musique et par rapport à la musique burkinabé à l'international. D'ailleurs, c'est le thème, musique burkinabé, défi à l'international pour mes 10 ans de carrière. Une façon de lancer au-delà de Desaltino et beaucoup d'artistes burkinabés pour leur carrière internationale. Donc je pense que c'est l'objectif. Donc je peux dire que c'est un côté, aujourd'hui, Desaltino a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué musicalement, sur le plan concert, sur le plan, comment dire, prestations, et sur le plan technique et même sur le plan vidéo, sur tous les plans. Et je vois qu'il y a une nette progression. L'histoire du rayonnement musical de la musique moderne burkinabé est mouvementée. Après l'âge d'or des années 70-80, où Amadou Balaké faisait danser le continent à bord de son taxi, le son du Burkina s'efface progressivement de la scène internationale. Car au cours des années 90 et au début des années 2000, de nombreux artistes formatent leur musique sur les standards occidentaux pour tenter de s'exporter en oubliant presque leur tradition riche de nombreux styles et instruments propres à leur culture. Du coup, c'est l'effet inverse qui se produit. Voilà la source de la musique traditionnelle qui est le socle de toutes les musiques burkinabé, de tous les styles de musique burkinabé. Voilà, parce que vous pouvez voir quelqu'un qui fait de l'acoustique avec, par exemple, au lieu de faire avec de la guitare, il fait avec un goni ou avec un koundé ou avec de la flûte. Je trouve que c'est la musique traditionnelle, là. C'est pour ça, justement, qu'il ne faut pas se perdre. À trop vouloir s'extravertir, c'est bien. Et le métissage des cultures, c'est bien. Parce que ça ouvre la musique, ça ouvre le pays même à plusieurs rencontres et au développement de la musique. Mais maintenant, travailler à garder
le maximum de sa personne moins culturelle. Là. Ça, c'est un autre travail à faire. Voilà, parce que le métissage ne gêne pas la sauvegarde de l'identité. Tirant les leçons des erreurs de leurs prédécesseurs, les artistes de la nouvelle génération ont donc commencé à proposer une véritable fusion tradi-moderne, au premier rang desquels le génial Flobi et son hit Yombo. En intégrant des instruments traditionnels sur un beat coupé-décalé, voire afrobeat, il ouvre de nouvelles perspectives au faso musical. Un son capable de rassembler les Burkinabés et de séduire le continent. Ce genre, c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été facile pour moi de mélanger ce mon genre tradi moderne avec un peu de l'afrobeat. Ça n'a pas été facile du tout. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas l'inspiration, mais il y a beaucoup de fans qui ne comprenaient pas ce que je cherchais. Et je n'arrivais pas à me faire comprendre. Et bien, aujourd'hui, je dis grâce à Dieu et grâce à tous ceux-là qui ont participé pour que ma création soit vue. Sinon, ça n'a pas été facile au début. Parce que des fans se plaignaient, pourquoi ? Parce que Flobi a changé de style. Mais non, c'était juste un mélange de ma musique tradie moderne et avec de l'afrobeat. Et j'espérais vendre ailleurs. J'espère que je me suis fait comprendre. Et aujourd'hui, je suis fier de cela parce que j'ai osé. J'ai osé et je ne regrette pas. Oser. Voilà le maître mot de cette nouvelle génération. Et pourquoi ne pas aller voir du côté des voisins ? Bebeto Bongo, le plus ivoirien des Burkinabés, a fait une entrée fracassante sur la scène internationale avec son hit Zungu Dance, composé par le génie de l'afrobeat ivoirien, Shadow Chris. Un succès retentissant qui lui a permis de collaborer avec la légende Awilo Longomba. Sa stratégie, multiplier les featurings internationaux pour étendre sa notoriété au-delà des frontières de la Haute Volta. Ça m'a ouvert des portes. Avec Awilo aujourd'hui, j'arrive à causer avec Flavor, j'arrive à causer avec Techno, qui sont des grosses têtes de la musique africaine. C'est important de travailler avec ces grosses têtes-là, c'est important d'avoir d'abord la connexion avec ces grosses têtes-là et songer un jour, pourquoi pas, ne pas faire un featuring. Déjà avec Flavor, on en parle beaucoup et vu un peu le niveau qu'il a, je pense que, je ne dis pas que je suis bas, mais je pense qu'il faut que je bosse beaucoup encore plus pour arriver là. Donc je pense qu'avec Flavor, il y a un truc qui se prépare. Mais il faut que je prépare. Je travaille d'abord personnellement avant de profiler cela. Quant au plus jeune des étalons, Imilo, il a appris les bases du métier en tant que danseur puis chorégraphe, aux côtés de ses grands frères Flobi et Des Altino, avant de se lancer en solo. Pour séduire son public, et notamment l'immense marché qu'est la Côte d'Ivoire, quoi de mieux que de s'associer avec les meilleurs arrangeurs locaux ? Serge Beno, Jean Piquillo ou encore le groupe Révolution. Tous ont participé à la carrière du plus chanceux des artistes burkinabés. Son hit Wassa Wassa, qu'il a propulsé sur la scène internationale, est quant à lui signé par le chouchou des nanas, Baby Philippe. Il m'a dit viens à Abidjan, donc quand je suis venu à Abidjan, on a travaillé Wassa Wassa ensemble qui a tourné vraiment beaucoup. C'est cette chanson même qui a fait de moi ce que je suis, puisque ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait décoller à l'international. Et voilà, donc c'est par là qu'on a fait ensuite Talaba, attrapé avec Champi Kilo, Amou Mazo avec Avadia, c'était ici. Et qui a dit Et arrangé ici en featuring avec le groupe Révolution. Donc voilà, c'est un peu ça. Ainsi propulsés par un nouveau souffle, les artistes burkinabés sont en train de redonner au Faso toute sa place dans le paysage musical africain. À l'image des étalons du foot qui ont créé la surprise lors de la CAN 2017 au Gabon, ceux des ambassadeurs de la musique font la fierté de leur pays. Il brille et attire au Burkina un nombre croissant de stars internationales sur la scène du pays. Outre les Koundé, qui ont fait honneur au légendaire Koffi Olomidé l'année dernière, en 2016, des artistes tels que Maître Gims ou le retour tant attendu d'Alpha Blondy ont été salués massivement par le public. D'ailleurs, si vous arrivez au Burkina, vous remarquez que
et facilement et les gens sont sortis massivement comme s'il y a, une insurrection pour soutenir. Donc on peut dire qu'on peut se donner la priorité d'être ambassadeur si toutefois et l'occasion et se permettre. Et d'ailleurs même on le fait déjà parce que grâce à nous et d'autres personnes, la musique burkinabé est beaucoup connue au-delà de l'Afrique, au-delà de l'Europe et au-delà des États-Unis. Donc on peut dire que de toutes les façons, on véhicule la musique burkinabé, la culture burkinabé à travers d'autres pays. Au pays des hommes intègres, la musique est intimement liée au message. Saluée dans le monde entier pour la générosité de ses habitants, le Faso est une terre de paix et de justice. Un exemple pour toute l'Afrique. Conscients d'être les ambassadeurs internationaux de ces pays, les artistes portent haut et fort les couleurs et le message de la culture burkinabé. Le Burkina Faso est un pays de liberté. C'est un pays de paix. C'est un pays d'hommes humains, un pays d'hospitalité. Et cette image, au-delà même de l'image, cette chaleur-là que le Burkina a, cette image que les gens ont du Burkina, je tiens à cette image. Et c'est ce qui nous préoccupe. Et à chaque fois que ça va commencer à bouillonner, à chaque fois qu'il y aura des gens qui vont déranger, à notre façon, chacun à sa façon, on pourra sortir dans la rue, on va parler. Il y en a qui vont chanter dans leurs chansons. Il y a chacun à sa façon de revendiquer. Comme l'appelait de ses voeux le légendaire capitaine Sankara, la musique burkinabé est en passe de devenir un puissant outil d'éducation et le symbole de l'identité nationale. Unis, humbles et souriants, les artistes du Burkina sont à l'image de leur pays. Riche d'une diversité et d'une créativité exceptionnelle, la musique burkinabé d'aujourd'hui est prête à conquérir le monde. Et c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, mais quand même, on n'est pas sur le mauvais chemin. Parce qu'aujourd'hui, déjà l'Afrique en parle beaucoup. Et Inch'Allah, avec le concours de tout le monde, et ça va aller encore plus. Donc voilà, hein, je me dis qu'on est sur le bon chemin. Mais on n'a pas encore arrivé à faire ce grand boom-là qu'on espère. Parce que vous savez, dans la vie, on réalise un rêve et on donne naissance à un autre rêve. Voilà, on voulait juste être artiste et aujourd'hui, bon, ce rêve a été réalisé et là, on veut toucher le monde. Donc voilà, c'est un autre combat encore. Donc on continue. If you are what you say.